pour une petite revue unboxing. Donc j'ai reçu un colis de Anne-Claire. Je vous mets bien évidemment sa chaîne en barre d'infos. Elle m'a fait cette surprise. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Alors, bah déjà, je la remercie super fort. Je sais qu'elle avait hâte que je le reçoive. Alors, attends, je regarde. Hop. Et tu as vachement bien emballé ça, dis donc. Voilà. On y est. Je connais cette boîte. J'ai déjà eu une boîte comme ça. Toute cette petite protection. Moi, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Petite carte. Je vais regarder. Bon, elle m'a écrit une petite lettre. Ah, je pense savoir ce que c'est alors. J'adore. Oh, Anne-Claire, il fallait pas. C'est quoi ça? Oui. Ça, c'est ce que tu m'as dit pour que j'ouvre les choses, etc. Ah, oh, c'est génial. Bon, faudra que tu m'expliques comment je dois faire. En fait, pour voilà, pour info, c'est une solution. Donc, elle a ça. C'est une espèce de bande autocollante qu'on met. Vous savez que j'ai des problèmes avec mon bras et avec ma main. Et en fait, elle utilise ça pour ouvrir les bouteilles, les bocaux, etc. Donc, c'est une aide, en fait. Et elle m'avait dit qu'elle... Voilà. Qu'elle me mettait, qu'elle m'enverrait un morceau. C'est trop mignon. Des petits stickers. Oh, j'ai pas maté là. Alors, d'autres petits stickers. Ça, c'est des washi stickers. Super. J'en ai pas beaucoup. C'est pas quelque chose que j'achète. Mais bon, voilà, c'est très bien. Oh, ça, c'est génial. J'adore. Ça, c'est toujours sympa. Les alphabets. Oh, est-ce que tu sais que c'est un éléphant d'Asie? Donc, c'est un éléphant thaï ou limite indien, mais d'Asie. Et on le reconnaît en fait à la forme, etc. et aux oreilles. Donc, merci. Mais dis donc, tu m'as gâté, hein. Tu m'as gâté, mais vraiment pourri gâté, quoi. Waouh, j'adore. Donc, ce sont des cartes que je peux coloriser. Mon trop choupignon. Elle sait que j'adore mes chats. Très sympa. Et chaque fois avec l'enveloppe assortie. Oh, c'est trop chou. Ah, merci beaucoup, ma belle. Bah, tu m'as vachement gâtée, quoi. Alors, des petites enveloppes avec des petites lettres. C'est trop mignon. Just for you. Elle m'a mis des petits die-cuts aussi. Eh bien, super, parce que je ne l'ai pas. Donc, c'est très bien. Voilà, elle m'a... En fait, elle m'explique qu'elle l'a acheté en doublon. Et donc, du coup, voilà. Et qu'elle a fait une super petite vidéo avec des dégradés, avec les distress pour faire les cocktails. Ben, je vais aller voir ça, parce que je ne l'ai pas vu. J'adore. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Mais j'en ai une très ressemblante. Mais c'est jamais perdu. Moi, je fais plein d'étiquettes avec ça. Et ça, c'est bien pour... J'oublie toujours. C'est les ATC stamps, là, ou je sais plus quoi, là. Les... Enfin, c'est pour faire les petits timbres, quoi. Je suis pas une... voilà, je suis pas une spécialiste de ça. On peut pas aller dedans tout. Elle est très, très belle, cette planche. Très jolie, ma belle. Mais dis donc, mais t'es une folle. Elle est folle. Elle est folle.
Alors. Pour garder, à mon avis, des feuilles ou... Ouais, peut-être ranger les enveloppes. Attends. À mon avis, c'est un truc comme ça, non? Ou je me trompe? Je sais pas. Je vais trouver, hein. Hop. En tout cas, t'as vachement bien emballé. Tu sais que j'aime le rose et le papier de soie. Oh, j'adore. Eh bien, tu vas comprendre, ça tombe super bien parce que j'ai utilisé quasi tout mon stock dans le tuto qui arrive. Ou qui a déjà été posté. Je pense qu'il sera posté quand je vais publier cette vidéo aussi parce qu'elle est en cours de montage. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Du coup, bah, tu verras ce que moi j'en fais de ça. Ah, les crayons, les fameux pencils. Alors, ce sont des crayons HB, H... Vous savez, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui font du dessin le savent. En fait, dans les crayons noirs ordinaires, il y a différentes lettres. Hein. Le plus courant, c'est le HB. Donc, c'est ni trop gras, ni trop sec. Et en fait, bien, vous avez différentes catégories de crayons et qui vont vous permettre d'avoir des... Quand vous faites des... c'est surtout des colorisations ou des dessins en noir et blanc au crayon, eh bien, ça va vous permettre de travailler plus foncé, plus clair, en fait, tous les ombrages, etc., avec des crayons comme ça, ordinaires. Alors. Ouh là là. Mais t'es une grande folle. Alors, honnêtement... Elle est folle parce que je suppose que tu les as coupés toi-même ou pas. Eh bien, waouh. J'espère que tu t'es pas trop fait mal en faisant ça. Alors, ça, ce sont des Flex Mika et c'est génial parce que j'ai pas cette couleur-là. Donc c'est bien, hein, cool. Mais dis, mais t'es folle, hein, dis, mais t'as vu tout ce que tu m'as mis? Mais t'es complètement folle. Elle est folle. Elle est complètement à la masse. Elle est folle. Alors ici, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors, des to-do. Oh, dis tout des stickers. Souvenirs, daydreams, date importante, anniversaire, j'adore, love this. Mais t'es une grande folle. Hein. Oups, et avec les petites, aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, je fais tout tomber. Et avec les petites étiquettes assorties, c'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop choupinant. Hop. Mettre ça là. Hop là. Alors. Oh. Regardez-moi cette mignonnerie. C'est trop choupinet. Donc elle m'a mis encore des petites étiquettes cadeaux. C'est trop mignon. Trop, trop mignon. En tout cas, elle a bien compris l'esprit du scrap, ça c'est clair. Toutes des petites mignonneries, toutes des petites choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, je connais. Ça c'est pour faire des pétales de fleurs. Et c'est pas mal parce que j'en ai, mais pas des comme ça. C'est génial. J'adore. Ça, ça va me servir dans mon agenda. Parce que même si j'ai pas un bullet ou un truc... je colle plein de stickers dans mes agendas.
trop choupinée. Ça, je vais devoir faire attention à Léna, qu'elle risque de me le piquer. Oh, j'adore. Tu sais quoi? C'est dingue. En fait, j'en ai vu un en lawn fawn et j'allais me l'acheter. Et puis, j'ai dit non. Non. Et j'ai déjà des nuages, mais des différents. Et ça tombe bien. Parce que j'avais une idée de créa avec ça. Donc, t'es pas un peu médium, toi? Alors, elle m'a encore mis des petites étiquettes. Dis, ma poupette, tu es folle parce que je vois, tu l'as découpée toi-même. Et je sais que c'est pas évident. Donc, merci, merci. Mais c'est une boîte sans fond, en fait. Donc ici, c'est des marque-place. Et toutes des petites choses de Noël. Écoutez, elle m'a super gâtée. Mais t'es une grande folle, hein, parce qu'il fallait pas. Franchement, t'es folle. Elle est dingue. Elle est dingue. J'ai ma fille qui vient de rentrer. Tu veux faire coucou caméra? Comme ça? Coucou caméra. Elle vient de rentrer. Parce que c'est elle qui est allée chercher le colis à la poste de Anne-Claire. Et donc, elle vient de me le donner. Il est tard le soir. Et elle est curieuse aussi. Et c'est dingue. Regarde quelle folle. Elle est dingue. C'est des dies. Ouais, ce sont des dies pour faire des fleurs. Donc, en fait, tu vois, tu as toutes les tailles de pétales. Et tu mets ensemble et puis tu colles. Puis ça, c'est pour des stickers. Non, des stickers. Elle s'y connaît pas mal, hein, en vocabulaire. Regarde le masque ici. Il est chouette. Hein, ouais. Pour faire les nuages. Faire Pékin Express. Et en fait, regarde, elle a... C'est une grande folle. Elle a découpé à la main. Et tu sais que... Voilà, elle doit... Voilà, tout ça aussi. Toutes des étiquettes. Ah oui, oui. Ma fille déteste, elle a peur en fait des élastiques. Regarde ici. Pareil, toutes les petites. Regarde, ça c'est trop mignon. Pour les planeurs et tout ça. Alors, je vais lui demander, Anne-Claire, il faudra que tu me dises. Je pense que c'est pour un truc comme ça. Il y avait ça dedans. Moi je pense que c'est un truc pour mettre les enveloppes ou... Ou alors, ça sert à autre chose. Ah, c'est une plaque à tampons. Espèce de dingue. Je sais, tu m'en avais parlé, que c'était plus facile pour ma main. Mais t'es folle. Mais t'es complètement folle. Tu vois, ergonomique. Et t'es... Ça me touche super fort. Je vais devoir couper ça au montage. Elle m'a mis ça aussi. Ça, c'est pour ouvrir. En fait, c'est un plastique. C'est pour ouvrir les bouteilles et tout ça quand j'ai dur. Tu mets dessus. Elle dit que c'est un truc spécial qu'elle a. Elle a coupé un morceau. Oh, purée. Mais tu sais quoi, je vais l'utiliser forcément. Et je vais déjà l'utiliser demain. Oh purée. Oh, t'es une grande folle. J'espère que tu t'en prives pas parce que t'en as besoin tant que moi. Regarde. Tu vois, à chaque fois j'ai l'enveloppe. Oh, ils sont magnifiques. Elle m'a mis des planches. Là, elle a fait un tuto. Je répète, hein. Elle a fait un tuto pour coloriser les cocktails. Bon, je vais aller le voir. Elle m'a fait une carte aussi. Chou. Mignonne. Enfin voilà, elle est dingue. Elle est complètement folle. Ah ben là, tu m'as bien eu avec le truc là. Hein. Franchement. Je vais prendre quelques petits mots. Voilà, c'est là-dessus que je vous quitte. En tout cas... Un grand merci Anne-Claire. Je vous mets évidemment sa chaîne en barre d'infos. Purée, t'as réussi à me faire pleurer, quoi. Bon.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur les ateliers de Sun. Bye bye.